Ça y est, c'est parti. Responsable aussi, il tourne aveugle, il est non-voyant, et il fait du karaté, et voilà, il peut démontrer comment un non-malvoyant, un non-voyant se défend, et c'est formidable, il a eu pas mal de dates, donc il va mieux expliquer que moi, donc il est en face de moi, je vais le présenter. Alors, bien bonjour, M. Rosès, Alex. Oui, bonjour, M. Villapouille. Oui. Oui, alors, comment ça va? J'ai entendu qu'ici, en attendant l'arrivée de l'étape du Boudriol, il y a pas mal de manifestations, dont où il y a une manifestation de qui est en train de montrer comment ça se passe. Oui, bon, moi, je suis absolument malvoyant. Je suis professeur de karaté. Je vais débrancher la prise. L'année prochaine, s'il vous plaît. En fait, il y a une prise électrique pour la débrancher. Voilà. Je continue à enseigner le karaté aux enfants, aux adultes, aux ados. Et là, bon, ben, j'ai fait de la compétition pendant des années. J'ai été 9 fois champion de France au Borgo. Et je continue la compétition jusqu'à maintenant au niveau de la Ligue de Martinique. Et je suis champion de Martinique 4 ans. Eh oui, Noël, je peux te dire que tout ce qu'il dit, c'est vrai, parce qu'il est venu à l'association, il a été voyant qui voulait faire la même chose. Donc il doit revenir à tout savoir pour aider les autres. Alors donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pu faire? Il y a eu beaucoup de monde. Ah oui, j'ai démontré un petit peu un kata supérieur qui s'appelle Bouddhi Chocho, et que là c'est un kata que je vais faire pour mon 6e dan, et là ça me plaît. En plus de ça, l'avantage que j'ai pour les personnes qui sont non et malvoyants, c'est que je fais travailler le karaté au tambour. Ça veut dire que je fais le kata avec un tambour. Ça veut dire à partir du moment, sur chaque rythme du kata, on a le son du tambour qui permet de savoir où se trouve le rythme et à quel moment où on va le faire. Ça c'est très important et c'est très intéressant pour les personnes en situation de handicap visuel. Je travaille aussi avec des gens en situation de handicap fauteuil aussi. Et ça, ça je le fais aussi. Eh bien, tu vas nous montrer ça plus tard. Et aussi, si tu comprends bien, quand tu expliques avec le tambour, ça me rappelle la danse du damier. Hein? C'est comme ça qu'on sait à quel point, à quel moment qu'on entend un son. Ça veut dire que la personne se prépare pour frapper fort. Alors, je sais que ce n'est pas facile non plus. Alors, qu'est-ce que tu envisages de faire aujourd'hui? Alors là, normalement, le système que j'ai, ce sont des Guadeloupéens qui l'ont fait. Ça veut dire que je suis au son du tambour K. Et ce sont des Guadeloupéens qui font du karaté, qui ont créé cette vidéo. Et ça m'intéresse énormément et je travaille énormément avec les enfants aussi. D'accord. Eh bien, je vais te remercier. Andy et Pep Martinique, je te remercie. Parce que dans le temps que tu étais venu, il n'y avait pas encore la radio, mais maintenant la radio est présente. Donc on va t'inviter et tu vas nous expliquer ça en long et en large. Ok. Bon. Eh bien, Alex, oui. Quand je viendrai, on essaiera ensemble. Comme ça, on verra ce que c'est. Exactement. Je ne suis pas tombé dans l'oreille d'un sou. Je suis là et je répondrai présent. D'accord. Ok, eh bien, on te remercie beaucoup, Alex. Et puis, à très bientôt. Merci. Ok. Oui, Alex. Oui, Noël. Voilà, donc. Oui, oui, oui. C'est un gars très, très sérieux. Tu es actif? Oui. Donc, on va voir, on va gérer les choses de fait qui sera plus précisément plus souvent à la population, à tout savoir, pour pouvoir aider les autres et les former aussi. Alors nous sommes là, nous attendons l'arrivée. Donc il y a un petit peu de temps, mais il est très obligé là avec.
judo. Jean. Oui, il y a beaucoup de monde, oui, il y a pas mal de monde. Mais comme on s'est éloigné, parce que là, il y en a plus de l'autre qui est opposé, et tout à fait au début de la distance, derrière ma fonctionnée. C'est le lieu de ce qui est. Ah, d'accord.